Je me suis dit un truc, je sais pas ce que vous en pensez, parce que je me pose beaucoup de questions. Hein. Je me suis posé une question la dernière fois, je me suis dit, qui c'est qui invente les sports? Qui c'est qui s'est dit un jour, j'ai un bon sport, je vais le proposer? Peut-être on mettrait un mec qui court et après on lui met un carré avec du sable et s'il veut, il saute, et s'il saute loin, c'est bon et tout. Pourquoi on ne parle pas de tous les sports qui n'ont pas été acceptés par la fédération, celui avec les deux ampoules où tu devais faire comme ça, hein? Et quand tu regardes bien la télé, il y a des sports bizarres, c'est étrange, il y a des sports, je les comprends pas, je te promets. L'autre jour, je regardais les Jeux Olympiques, il y a quelques mois, il y a une course à pied où les mecs, ils ont pas le droit de courir, c'est quoi ce délire? Les mecs, ils sont là, ils font... T'as envie de dire, mais cours à la Hamar si tu veux gagner, qu'est-ce que t'es en train de faire? Après, je regardais l'haltérophilie, c'est pas le sport le plus absurde du monde. L'haltérophilie, mais merde, le mec, il est là, il soulève des centaines de kilos, il gonfle de partout, t'as envie de lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Qui c'est qui t'a demandé de te mettre dans cet état-là? Pose ça tout de suite, arrête! Viens boire un coup, t'es pas bien, allez, oh! Et lui, il dit, non, je veux devenir tout rouge! Je comprends pas, moi, ces sports. Il y en a un autre aussi, j'aime bien. Saut à la perche, j'aime bien quand il saute. Mais le mec, avant de sauter, il fait un nombre de trucs. C'est pas possible, tu dis à quelle heure tu vas sauter, c'est pas possible. Je vais zapper, je te jure, arrête, vas-y, saute. Et après, il te fait un petit saut avant la course qui sert à rien, mais il te le fait quand même, tu le connaissais. Je comprends pas, moi.